entretenue, elle est curée. Voilà, globalement, c'est ça. Les travaux prévénards ont été réalisés dans presque dans l'ensemble de la commune de Saint-Louis. Et le foco, pour ce qui est du focordage des herbes, ça ne prête pas conséquence par rapport à l'écoulement? Non, ça c'est interne à la station, donc il n'y a pas d'impact par rapport à ça. Il n'y a pas d'impact. Peut-être ce que je veux expliquer, c'est en fait le bassin est là, ça c'est le bassin où les eaux se retrouvent ici. La station de pompage est à l'intérieur, donc les eaux se retrouvent de côté. Effectivement, maintenant, le problème qu'on a principalement, vous voyez les ordures. On a énormément d'ordures qui viennent se mettre au niveau maintenant des grilles pluviales. Vous voyez, c'est pour cela que le bonhomme est là-bas, en train d'enlever presque quasiment donc les ordures pour que les eaux puissent être évacuées le plus rapidement possible. Oui, mais le problème, c'est en amont ou c'est ici? Est-ce qu'il ne faudrait pas en amont essayer de voir comment faire en sorte, par rapport même à la sensibilisation, que les ordures ne soient pas versées dans le réseau? C'est ça, dans le réseau et dans... Donc, au niveau de ce site aussi, donc... La contribution de l'ONAS nous a permis de mettre en œuvre l'électropompe. Ici, nous travaillons en étroite synergie avec les autres acteurs qui s'activent au niveau donc du pompage. La ONAS met parfois à notre disposition des longueurs de tuyaux et nous met en œuvre surtout donc les électropompes. Et du coup, c'est de façon gravitaire que les eaux arrivent à ce bassin ou bien c'est parce qu'il y a un pompage d'épuisement qui se fait en amont? Comment les eaux arrivent? Les eaux arrivent ici de manière générale, de manière gravitaire. Gravitaire. Les quartiers en amont sont plus en élévation. Donc ça, c'est une zone basse. Donc du coup, les eaux arrivent de manière gravitaire. Oui, et quand il y a des eaux, par exemple, qui sont piégées entre les maisons ou à l'intérieur des maisons, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Monsieur le ministre, j'ai voulu même intervenir tout de suite avec notre station de l'ONAS lorsque le maire parlait de petits moyens. Rien que la journée d'hier, on a eu à libérer deux mosquées dans le secteur. Deux mosquées. Donc au niveau des 15 mètres, on a libéré deux mosquées avec de petits moyens. Donc présentement, le groupement dispose de petits moyens pour libérer ces poches d'eau. Bon, quand vous parlez de petits moyens, vous parlez des motopompes de faible capacité. Voilà, de 30 mètres cubes heure, 50 mètres cubes heure ou 80 mètres cubes heure. Effectivement, c'est des motopompes de 15 à 40 mètres cubes heure que nous utilisons donc au niveau des poches d'eau. Pour libérer les habitations et des structures religieuses ou scolaires.